Chacun des 300 écoliers a reçu le sac à dos de couleur verte marqué Move No Limit. À l'intérieur, il y a des cahiers de 150 pages qui renseignent au dos de couverture les gestes barrières contre le Covid-19. Une boîte d'instruments géométriques, ce qu'on appelle vrais dessinateurs, des stylos et bien d'autres choses. Le bus de la rentrée scolaire est une activité que nous faisons chaque année et à travers laquelle nous distribuons des milliers de kits scolaires sur l'ensemble du territoire béninois. Ce bus de la rentrée scolaire qui existe depuis 2012 fait son bout de chemin en faisant faire le lancement officiel ici et nous allons donner 300 kits à 300 enfants. Le réseau numéro 1 au Bénin soutiendra toujours les actions sociales qui permettront de porter en avance notre pays, le Bénin. Le directeur général par intérim de Move Bénin, Mourakam Mohamed, a fait lui aussi le déplacement. À ses côtés, l'artiste musicien Sagbouran Danialou, désigné comme ambassadeur du réseau Move. Tous ont apprécié le don et témoigné combien il vient soulager les parents à la veille de cette rentrée scolaire. En retour, le directeur de l'école primaire publique de Gonli, le président de l'association des parents d'élèves, le chef d'arrondissement, le représentant des sages et têtes couronnées et les écoliers, tous se sont confondus en remerciements. Nous, apprenants du complexe, vous remercions d'avoir pensé à nous. Le réseau de téléphonie mobile Move veut être proche des populations béninoises tant dans la communication et au plan social à travers la fondation Eti Salat. La voici qui soulage les parents d'élèves à cette rentrée scolaire 2020-2021.